Il est midi. Chaque heure passée en Haïti, à tous côtés sur la terre bénie, paraît chaque jour sur Radio Vision 2000. Radio Vision 2000 invite à écouter Gazette Créole. Gazette Créole, le journal qui apprend toutes nouvelles. Quitte en Haïti, quitte votre bobo, la guéou dans deux oreilles. Gazette Créole, journal midi, Radio Vision 2000. Vendredi 18 octobre 2024, mesdames, messieurs, bonsoir pour nous tous. Bienvenue dans avant-dernier sorti journal Gazette Créole pour ce maintenant. Mais quelques points nous pourrons développer dans le journal là. En bas la ville Port-au-Prince, en bas d'Elma, Carrefour-Aéroport, la pleine situation, ben, t'es vraiment pas bon depuis hier pour le matin, ça, dans diverses zones, dans la région métropolitaine Port-au-Prince, qu'on était gagné pile coup de balle, qui tape à chanter dans Solino, divers membres, coalition, gang, armée, vivant ensemble, faisons l'autre attaque. Il y a une jeune fille qui t'a regardé télévision qui mourit avec une balle dans la tête. Il y a plusieurs autres mondes qui t'a arrivé blessé. Conseil présidentiel transition à gouvernement commémoré hier jeudi 17 octobre, la 218e anniversaire de la mort, père fondateur patriarche Jean-Jacques Dessalines. Il y a une commémoration qui était faite en bas, côté balle automatique dans diverses zones dans la capitale, là, surtout dans la zone champ de masse. Alors ce que le président CPT a laissé Voltaire, il était avec plusieurs conseillers présidents. T'as déposé Jeb Fleur dans le musée, Panthéon National, dans la mémoire, empereur Jacques Ier. Dans le discours, c'est Constance en ville d'accueil, en présence divers membres du conseil présidentiel, là, parmi eux, premier ministre, là, y ont l'autre membre dans le gouvernement, parmi eux, un même ministre affaires étrangères, Dominique Dupuis, divers représentants corps diplomatiques, là, président Leslie Voltaire, ben, mandé pour qu'ils étaient ensemble, pour poursuivre l'idéal de Saline, IP, ou l'autre père fondateur pays d'Haïti. Leslie Voltaire, yon l'autre bord, renouvelé engagement CPT à gouvernement pour mettre bout avec action gang Axamio, li annoncé sous plan politique, publication n'a pas trop longtemps, cadre calendrier, et puis cadre référence, activité, conseil national là, et puis réforme constitutionnelle là, et puis tout installation, je ne vendredi 18 octobre là, conseil électoral provisoire, qui gagne seulement 7 membres. Gros manifestation, organisation à groupement politique, sitôt réveil national, t'es annoncé pour exiger départ, équipe transition ça, pas finalement, arrivé fête dans la capitale là à jeudi manifestation qui peut être capable de réunir grand foule Tevin Gaillé après la police était lancé gaz lacrymogène dans niveau Delma 32. Gouvernement poté tout en sipol à premier ministre là la décision le prend pour camper en quoi contre tout changement ministre en dehors sa constitution et puis accord 3 avril 2024 l'a dit d'après ça un communiqué la primature fait sauter et pendant 6e conseil gouvernement qui était fait mercredi 16 octobre 2024 là. Communiqué ça a vini après demande conseil présidentiel là concernant révocation ministre affaires étrangères Dominique Dupuis. CPT a réclamé pour un remaniement cabinet ministériel là en ben l'estimé que qui pas bail en quelle performance. Conseil supérieur ça yo écrit yon l'autre en lettre voyé par ministre affaires étrangères travail là Georges Wilbert Franck en 15 octobre passé côté dénoncer conditions CSS là à travail et puis yo mandé ministre affaires sociales là pour proposer dans conseil ministériel en ben pour mettre CSS là sous même ligne budgétaire et budget sous ligne budget pays ou bien tout puis définir une ligne budgétaire pour CSS là. Je te branche tourner pour développement.ca. Présent au journal ça gagné à réunion désir qu'a fait manœuvre technique et bien pour un micro à Céline Kerr civil. Bonsoir Harry, bonsoir tout le monde. Le fond, bonsoir pour nous tous. Bienvenue dans le développement premier partie journal la gagné et n'a parlé côté te gagné gros tension hier et depuis hier et jeudi à zone Badelma Carrefour-Aéroport la plaine Chanmas c'est une situation tête chargée qui te gagné hier jeudi dans diverses zones dans région métropolitaine Port-au-Prince côté qui te gagné pile coup de balle qui t'a pas chanté et na occasion de 118e anniversaire assassinat père fondateur pays Jean-Jacques Dessalines
bandi yo en bente et fait gros démonstration de force dans plusieurs quartiers. Yon lot bot et gagné gros manifestation diverses organisations à groupement politique. Sitôt réveil national a été lancé en ben qui pas arrivé fête dans capitale là jeudi en maniflan pas arrivé qui pas arrivé réuni en gros foule monde et vinn gaillé dans zone Delma 32 après la police t'a tiré balle lacrymogène toujours dans cadre de sécurité hier jeudi dans Solino divers membres coalition gang Axam vivent ensemble fait une autre attaque à une jeune fille en ben qui t'a regardé télévision qui mourit à qui une balle dans tête côté gain plusieurs autres monde qui arrivé blessé nous parler dans Jérémy côté gain plusieurs centaines de monde qui étaient manifestés dans la rue hier jeudi dans Jérémy en mais soit appel Guy Philippe pour exiger départ équipe transition ça qui d'après eux même pas chercher résoudre problème insécurité et puis avec la vigère qu'un coup dans pays a Jean-Garry Joseph pour plus de détails sous direction ancien sénateur Grenoble Guy Philippe plusieurs centaines de monde dans Jérémy manifesté journée jeudi 17 octobre 2024 là pour demander départ gouvernement en place là il dit qu'il pas fait rien pour résoudre un problème insécurité la vie chère qui la cause en pile haïtien a souffri dans pays en tant qu'à l'étranger Guy Philippe qui bat le nom révolutionnaire mandé peuple haïtien prendre sel en main pour bataille contre tout politicien présumé kidnappé gang qui pas le pays à marcher Vous ne pouvez pas manger vous-même, vous ne pouvez pas dormir. Tandis que ce pays a des codes, pays a des moyens. C'est parce que tout le monde, depuis qu'on prend le pouvoir dans le pays, nous jouons une vagabonde pour batailler pour nous. Je dis à nous-mêmes, peuple haïtien, on passe sous un trahison tout le monde. C'est où bien la bataille, ça met une soupe à Jérémy. La bataille, ça compte bien l'état dans le pays. C'est où bien nous passons sous un trahison nous. Où bien nous passons sous un trahison tout. Mais arrivé pour nous dire, nous ne pouvons pas passer sous un trahison tout. Journée manifestation ça qui fait dans Jérémy dans le cadre de la 218e commémoration la mort papa nation Jean-Jacques Dessalines finit sans aucun incident. Depuis Jérémy, Jean-Garry Joseph, vision de mille. Merci Jean-Garry Joseph. Conseil présidentiel transition à gouvernement commémoré hier jeudi 17 octobre là en 218e anniversaire la mort père fondateur patriarche Jacques Dessalines. Il y a une commémoration qui était faite dans Bagoukoute Zap automatique dans diverses zones dans la capitale là surtout et dans zone Champ de Mars côté président CPT Alice Livolté a déposé un jet fleur dans musée Panthéon national dans mémoire empereur Jacques Ier en Belité Guinavel parmi l'autre divers conseillers présidents Taco Smith Augustin Fritz Alphonse Jean Frenel Joseph, Régine Abraham, Emmanuel Vertiller et Edgar Leblanc fils en bain quitté Metel à couvert ou bien en retrait depuis fin mandat dans tête conseil présidentiel là pendant cérémonie commémorative là en bain quitté organisé dans villa d'accueil en présence divers membres conseil présidentiel là et premier ministre Gary Conné et puis avec divers membres gouvernement parmi eux ministre affaires étrangères Dominique Dupuy divers représentants corps diplomatique là commandant en chef force armée d'Haïti général Derby Guerrier directeur général police nationale là Ramon Mille dans le discours circonstance, président CPT Alessi Voltaire a demandé pour une unité nationale pour poursuivre l'idéal de Saligno et pilote en héros patria. En qu'un groupe pas capable de satisfaire Jodia de situation, mais pays a trouvé le 218 l'année après assassinat en Purella, d'après Alessi Voltaire en côté déclaration. Ce 17 octobre 2024 est un jour triste, marquant le 218e anniversaire de l'assassinat de l'empereur Jean-Jacques Dessalines, notre héros national, notre héros de cœur. Cela fait 218 ans depuis que les grands propriétaires, les militaires, les affranchis et les nouveaux libres, noirs et mulâtres, ont comploté pour assassiner. Complot pifo passé Wanga. Honneur pour empereur Jean-Jacques Dessalines, au champ pour rêve, pour gros vision l'été gagné, pour combat avec l'été l'été mené pour Haïti capable libre et puis indépendant. Honneur pour Jean-Jacques Dessalines, le brave, qui t'est voulu pour tout le monde, tout partout, t'es capable de vivre dans respect, liberté et dignité. Nous saluer ça l'été gagné l'idée fait, mais l'y pas arrivé fait, parce que la mort est passée prendre trois bonnets, l'y mourir à 48 ans. L'été dit, nous avons osé d'être libres.
supposons l'être par nous-mêmes et pour nous-mêmes. C'est nous-mêmes même qui pour libérer tête nous, si nous voulons libre. Gros corps assassinat qui était fait sous Papa Nation, hein, la pays en crise. Depuis 1806, c'est crise sous crise. Crise pas jamais qu'a fini jour jodi. Hein. Après 218 l'année, peuple haïtien bouquet. Jodi a pas gen aucun groupe qui a dit li satisfait. J'ai un pays d'Haïti à Yekounia. Peuple haïtien a besoin de vivre en paix. Peuple haïtien a besoin de sécurité. Peuple haïtien a besoin de vivre dans le bout de Tessa sans qu'il n'y ait pour l'aller prendre humiliation de l'autre côté. Les haïtiens de l'intérieur ou de la diaspora, malheureusement, vivent de nos jours avec le profond sentiment d'être avilis et d'être traqués partout où ils sont. Les haïtiens vivent dans l'inquiétude, le désespoir et l'inconfort. Nous sommes tous interpellés, en particulier ceux qui, comme moi, exercent de grandes responsabilités à la tête de l'État. Il est temps de créer les conditions pour que le peuple haïtien retrouve de l'énergie, de la sérénité et de l'optimisme. Compatriotes, pendant jeudi, on a songé qu'au assassinat qui était fait sous l'empereur Jean-Jacques Dessalines dans Pont Rouge, nous profiter célébrer mémoire toute femme. Un garçon qui t'est consacré un bon parti dans la vie, dans la bataille pour faire haïtien jouer une place dans l'histoire de l'humanité. N'a pas crié la mort de Saline, mais n'a pas célébré la ville tout. N'a pas célébré lutte li, il t'est mené, l'idée, il t'est combattu pour yo. Moi dis ça, c'est pour petite fille et petite garçon pays à prendre force. Mettez-y ensemble pour continuer de défendre ses ancêtres nous ont été. Ça a été vlé, c'est liberté pour tout le monde. Ça a été vlé, c'est pour bouter ça, développer et rester grand monde tête. Ça a été vlé, c'est pour haïtien tout partout, capable de lever tête et garder tout le monde gélangé. Continuez bataille ça, demandez pour nous prendre décision couper fâché à tout comportement qui est capable de mettre l'unité nation en danger. C'est couper fâché à tout ça qui est capable de craser l'institution pays. Nous sommes un peuple qui est grand, un peuple qui te mette tête ensemble pour gommer contre l'esclavage, contre la colonisation, et peuple ça pas de mourir de bras derrière dos. Restons collés à Dessalines, qui disait à la crête à Pierrot, je ne veux garder avec moi que des braves. Leslie Voltaire, mais président CPT, l'autre bon fait qu'on est inadmissible pour nèg examio avec tout le monde qui a supporté en d'un pays et puis à l'étranger continue à terroriser les populations qui la cause diverses milliers haïtiens obligés à vivre dans l'autre pays. Côté, il y a pas, côté souvent, il y a subi humiliation, massacre, kidnapping, corruption, division, un bien qu'a prongé pays, il y a droit suspendre et puis conseil présidentiel transition, doit engager pour lever défi ça, d'après Leslie Voltaire, un bien, li et déclaré conseil présidentiel a décidé à partir de lundi 14 octobre passé pour installer dans le palais national sous champ de masse. Ça traduit d'après Leslie Voltaire détermination CPTA à gouvernement pour restaurer l'autorité de l'État à travers pays en côté président CPTA Leslie Voltaire. Je dis à dans l'année 2024, il va possible pour bandits avec tout acolyte yo en dedans tant que dehors pays a faire manœuvre chaque jour pour touiller et puis empêcher monde vivre à qu'poser la caille. Il va possible pour un groupe penser yo qu'empêcher monde prendre la rue, mener ti monde l'école, l'hôpital, actual régler les affaires. Il va possible pour un groupe monde penser yo capable faire haïtien continuer quitter bout de ça pour aller prendre humiliation l'autre côté. C'est brave yo seulement moi veulent à côté moi. Comme monde qui gagne gros responsabilité dans tête pays a pour un petit bout de temps, situation ça pas quitter nous poser. Conseil présidentiel là, le lever gros défi ça. Faut massacre, kidnapping, corruption, chien manger chien fini. Défi yo en pile. Aucun responsable yo pas gain droit suspendre travail jusqu'à ce que nous joignons solution peuple a besoin. Attaquer problème sécurité, problème protection compatriotes nous qui vivent dans l'autre pays. Faire des marches pour remembrer institution pays a, c'est quelque j'effort qu'a fait dans le moment où m'a parlé là. M'a informé nous depuis jeudi lundi passé. Conseil présidentiel là prend décision occupé par les nationales là, caille peuple là, dans quai Port-au-Prince. Ça c'est un petit commencement, mais c'est un gros symbole qui montre détermination qui gagne pour autorité l'État recommence établi tout côté dans le pays. Mais conseil présidentiel là pas capable faire ça pour compte lui. Gouvernement pas capable non plus faire ça pour compte lui. Ça mandé pour tout le monde mettre main ensemble, mettre main dans ça qui concerne yo, dans ça qui concerne pays. Moun kap travaille dans l'État doit bay service, jan la loi pays a mandé ça. Moun ki dans secteur privé doit continuer faire activité business yo, na respecter jouet la, règle jouet la. L'idée politique, l'idée société civile
Bien pour mettre main à l'État, pour mettre campé rapide, institution nécessaire pour transition réussie. C'est plus que jamais le temps de redonner la place qu'il faut aux valeurs fondatrices de la nation haïtienne. Je ne cesserai jamais de dire que nous valons mieux que ces luttes fratricides. Nous valons mieux que ce désordre qu'on cherche à construire et à installer dans les différents coins du pays. Nous valons mieux que ces discours haineux formulés souvent à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Voilà, on tape côté déclaration président CPTA Leslie Voltaire. Dialogue nécessaire pour en bien mettre sous côté tout problème pour retirer pays dans crise liée là d'après président CPTA qui fait qu'on est préparation conférence nationale là et puis réforme constitutionnelle là a pas avancé à grand pas. Les promettre bientôt publication calendrier à cadre référence activité yo. Leslie Voltaire fait annoncé tout installation Genève le 18 octobre là conseil électoral provisoire. Toutefois, elle va préciser si il y a une décision qui t'apprend avant cérémonie concernant représentant secteur féminin avec droit mon pour permettre CEPA en bien installer complètement en côté Leslie Voltaire. Aujourd'hui, il est plus que jamais nécessaire que les Haïtiens se décident à se parler et dire la vérité en face. Heureusement, ce dialogue franc et tant souhaité est en train de prendre forme. La préparation de la conférence nationale et de la réforme constitutionnelle avance à grands pas. Bientôt, le calendrier et le cadre de référence des activités seront publiés. Les échanges sont pour bientôt. Déjà, j'invite les uns et les autres, au nom du salut de la patrie, à faire le dépassement de soi indispensable. Demain, un nouveau conseil électoral sera installé. Ensemble, nous avons l'obligation d'envisager un avenir plus serein en faisant de la transition une voie sûre pour en finir avec l'anxiété et garantir la solidité d'un état de droit fonctionnel et stable avec de nouveaux dirigeants et représentants du peuple élus lors des prochaines élections libres, honnêtes et démocratiques. Au-delà de nos différences, au-delà de nos contradictions, de nos sentiments d'impuissance, nous avons l'obligation de mettre fin à cette crise qui ne fait qu'éparpiller nos forces et enfoncer encore plus le pays dans la misère la plus abjecte, l'insécurité la plus révoltante. L'héritage des Saliniens nous commande d'agir avec plus de lucidité, de civisme et de conviction patriotique. À bien des égards, et aujourd'hui, en ma qualité de coordonnateur du Conseil présidentiel de transition, je ne compte pas transiger à chaque fois qu'il faudra donner les orientations indispensables au relèvement de notre pays. C'est l'effort qu'il faut consentir pour honorer la mémoire de l'empereur Jean-Jacques Dessalines et développer les instruments dédiés à la cohésion sociale, au progrès et à la réhabilitation totale de la souveraineté de ce pays que nous chérissons tous. Hommage à Dessalines le Grand qui nous disait « Que m'importe le jugement de la postérité pourvu que je sauve mon pays ?» Nous allons rester vigilants pour faire fructifier au bénéfice de toutes les Haïtiennes et de tous les Haïtiens, sans distinction, ce précieux héritage. Que l'esprit de Dessalines continue de nous guider et de nous éclairer. Lui qui nous a demandé de jurer de combattre jusqu'au dernier soupir pour l'indépendance de notre pays. Voilà, top côté déclaration et Leslie Voltaire, qui est président CPTA, sous initiative.